d'Éric Lemoine, pour l'instant toujours champion de France, titre qu'il a conquis en 94. C'est le plus grand de l'équipe et incontestablement le plus taillé dans la masse, parce qu'il a une musculature impressionnante pour un gymnaste. C'est vrai, et 1m80, on en a peu de gymnastes de ce gabarit. Voilà une vrille ennemie enroulée. Bien, oui, bien. Salto avant. Une belle amplitude sur l'enchaînement et beaucoup de rythme. Cercle Thomas, comme l'a fait Sébastien avant. Mieux, mieux. Oh oui. Ah, il défend chèrement sa peau aujourd'hui. Frédéric Lemoine. C'est vrai que c'est un garçon sûr. Un gymnaste très compétitif qui manque rarement ses compétitions. Salto avant. Voilà, il me fait mentir. Une petite faute, ce n'est pas bien méchant. Et malgré tout, quelques dixièmes qui s'envolent. Et la dernière diagonale, sûrement très aérienne, parce qu'il a besoin de récupérer ce petit dixième. Voilà, vous voyez, une mi-percutée, salto avant. Ouh, on sent de la fatigue. Les jambes n'ont pas tenu. Et oui, et le souffle court. Et voilà comment, effectivement, Frédéric Lemoine se dit peut-être que j'ai peut-être perdu là, sur ce déséquilibre. On va voir cela pour l'instant. Voilà, on revoit l'entrée, vrille ennemie enroulée. Jusque-là, c'était parfait.